Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Fondation Nicolas Hulot, dans lequel nous allons débattre des questions des liens entre économie et écologie. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle de conférences autour du livre, voilà, on le voit bien, on ne voit pas du tout, Quelle science pour le monde à venir? C'est écrit à l'envers. Donc, qui a été écrit par le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Et qui explore la question de la science. Donc, c'est un thème plus large que celui qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a un chapitre à l'intérieur qui parle de l'objet de notre débat, c'est-à-dire qui parle d'économie et d'écologie, et qui explique notamment, qui dresse notamment un constat qui consiste à dire en gros qu'il y a un fort décalage entre ce que nous disent les sciences du climat, les sciences de la vie et de la terre. Ce qu'en raconte l'économie et la façon dont l'économie prend ça en compte. Donc ça, c'est l'objet du débat qu'on va avoir aujourd'hui. Et pour cela, j'appelle sur scène donc Alain Grandjean, Laurent Cialhomme et Olivier Baudin. Voilà, venez me rejoindre, que je sois plus toute seule. Bonjour. Bonjour. Olivier, monte sur scène. Olivier. Donc, bah, Olivier, voilà, nous rejoint. Donc, bonjour à tous les trois. Vous êtes tous les trois donc économistes de formation et vous êtes impliqués auprès de la Fondation depuis plusieurs années. Je vais vous présenter plus spécifiquement à chaque fois avant chacune de vos interventions. On va commencer avec Alain. Donc, Alain, tu es président de la Fondation Nicolas Hulot depuis 2019. Tu as un peu deux casquettes dans ta vie professionnelle, hein. D'une part, tu as été entrepreneur tout au long de ta carrière, d'abord dans l'industrie et puis ensuite en tant que cofondateur de Carbone 4. Et puis, tu t'es également investi de longue date pour essayer de faire bouger les politiques publiques de façon à ce qu'elles prennent en compte davantage les questions écologiques. Et donc, tu as écrit de nombreux ouvrages, participé à de nombreuses commissions, écrit de nombreux rapports. Et aujourd'hui, tu es aussi membre du Haut Conseil pour le climat. Donc toi, tu vas nous parler plus spécifiquement de la discipline économique, du champ académique en fait. Dans quelle mesure les chercheurs, les enseignants prennent-ils en compte les questions de pollution, les questions de ressources naturelles? Donc c'est un peu, tu vas essayer de faire le tour de la question là-dessus. Enfin, peut-être pas le tour, mais en tout cas, nous donner quelques éléments. Et donc, je te donne la parole pour une quinzaine de minutes. Je réinterviendrai si jamais... Tu dépasses. Ouais, bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Enfin, moi, je t'entends bien. Alors, quand on parle d'économie ou d'économiste, on parle d'un univers très varié. C'est la première chose que je voudrais dire, c'est que d'une part, on met sous le vocable économiste des académiques qui publient dans des revues, et comme toute publication scientifique, il y a plein de catégories de revues, j'y reviendrai tout à l'heure. On parle aussi des économistes qui sont au sein de l'administration ou des administrations. Olivier Baudin nous parlera peut-être des économistes qui sont à Bruxelles, à la Direction générale économie et finance. On a les économistes qui sont à Bercy en France, qui ont un pouvoir absolument important. On parle aussi des commentateurs, des experts qui sont parfois sollicités dans les médias pour intervenir dans des débats télévisés, donc qui se présentent comme économistes, on ne sait pas bien ce que ça veut dire en fait, mais c'est vrai aussi de l'ensemble de la galaxie expert scientifique. Ça, c'est ma première remarque. C'est très dur de faire une typologie vraiment exhaustive du sujet parce que cette faune, si j'ose dire, est extrêmement variée. Au sein du monde académique, c'est pareil. L'économie, comme les autres disciplines, est très multiple. Il y a des spécialistes de l'économie du travail, il y a des spécialistes de l'économie monétaire, il y a plein, plein de spécialités. Et donc, il n'est pas facile de se dire là-dedans quelle est la place de l'écologie, parce qu'effectivement, il y a des disciplines qui sont aujourd'hui naissantes et des journaux sur l'économie écologique. L'Ecological Economics, c'est un média, par exemple, qui publie de la revue scientifique. Cela étant, une fois que j'ai dit ça, j'essaie de prendre du recul en me disant qu'est-ce qui a beaucoup d'influence dans les politiques publiques. Comme Marion l'a dit, c'est quelque chose que je suis depuis des années, donc j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui est très déterminant dans la vie publique? Et j'ai bien sûr un œil plus attentif sur la France, mais je comprends un petit peu ce qui se passe au niveau européen. Et donc, ce que je peux dire en gros, c'est que il y a quand même
des idées mainstream, on va appeler ça, des idées largement dominantes, qui sont notamment derrière, quand on va discuter avec eux, derrière un certain nombre de prises de décision au sein de l'administration. Il y a des liens assez complexes entre l'administration des finances, les budgets, le trésor et le politique. Je vais prendre juste un tout petit exemple pour me faire comprendre. Quand, avec Pascal Canfin, j'ai fait un rapport pour le président de la République de l'époque, qui était sur la question du financement des mesures à prendre pour tenir les accords de Paris, au niveau national et international, l'économiste qui était notre Sherpa, Laurence Boone, qui est devenu l'économiste en chef de l'OCDE depuis, et qui était donc à l'Élysée, nous a fait comprendre gentiment que notre rapport, qui était un rapport d'économie et d'écologie, hein, à l'intersection des deux, fallait quand même qu'on tienne compte très sérieusement de l'avis de la Direction générale du Trésor si on voulait avoir une chance que ce rapport soit publié. Et donc on a été amené à négocier pied à pied avec ces gens-là. Donc je les ai côtoyés, et donc je sais à peu près de comment ils parlent. Je parle pas, là aussi le Trésor, Bercy, c'est des galaxies, c'est beaucoup de monde, donc on peut pas simplifier, il y a des gens différents les uns des autres, mais ceux qui ont un tout petit peu plus de poids dans le système, c'est de ça dont je vais parler dans les quelques minutes qui viennent. Alors en gros, dans cette pensée qu'on va appeler pour simplifier dominante, mon point de vue à moi est très simple, c'est que l'écologie n'existe pas. Donc je vais être un peu tranché et je vais prendre juste trois exemples pour me faire comprendre. Le premier exemple vient pas de moi, mais vient de Nicolas Stern, qui a publié avec un co-auteur dont je ne me rappelle plus le nom, une étude sur 77 000 articles publiés depuis leur naissance par, je crois, les 10 revues les considérées les plus importantes dans le monde académique. Donc en gros, si on veut avoir un jour le prix Nobel, il faut publier dans ces revues-là. Sur ces 77 000 articles, Stern a trouvé 57 articles qui parlaient du climat. Donc ça veut dire vraiment, c'est pas un sujet. J'en ai rediscuté avec des économistes académiques dont je ne fais pas partie. Ils m'ont dit oui, effectivement, l'écologie, c'est un truc sectoriel, c'est pas considéré comme très important. Évidemment, ça me fait un peu sourire parce que l'économie qui tient pas compte du climat, je sais pas très bien à quoi ça rime, mais on en rediscutera tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est donc j'ai fait des études à Polytechnique à l'INSEE, donc j'ai eu des cours d'économie et je vois aussi assez bien comment sont fabriqués les manuels d'enseignement. Et en dehors de ceux qui sont sectorisés, hein, donc il peut y avoir une option économie de l'environnement, moi j'ai un doctorat d'économie de l'environnement, mais en dehors de ces spécialités, les manuels généraux, que ce soit la microéconomie ou la macroéconomie, ne consacrent aucun temps, ou très peu, c'est très marginal, aux questions d'écologie. Bon, je prends un autre exemple qui peut vous paraître un peu polémique, mais c'est un peu le même ordre d'idées. Thomas Piketty, qui est un économiste bien connu, très brillant, qui publie des livres énormes là, sur le capitalisme. Sur les 1000 pages de chacun de ses ouvrages, je pense que le nombre de pages qu'il consacre à la question écologique ne doit pas dépasser les quelques dizaines. Alors mon troisième exemple est un tout petit peu plus technique, peut vous paraître anecdotique, mais il l'est pas du tout. Les politiques publiques qui sont mises en œuvre par la Banque centrale, les suggestions de politiques publiques qui sont faites par l'OCDE, qui n'a pas le pouvoir, mais qui a un pouvoir d'influence, les politiques publiques qui sont faites par la Commission européenne ou celles qui sont faites par le Trésor en France, elles sont appuyées et parfois justifiées par des modèles macroéconomiques qui sont dans les mains des fonctionnaires ou qui sont sous-traités parfois à des équipes de recherche. Donc ces modèles macroéconomiques, évidemment, on peut considérer que ça ne sert à rien, que c'est des gadgets. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est aussi des éléments de structure de la pensée. Et donc, les modèles macroéconomiques organisent de manière mathématique des idées, des pensées, des dogmes. Et si je prends un exemple extrêmement simple, très, très bête, qui est à l'époque du Grenelle de l'environnement, il y a une évaluation macroéconomique par un modèle qui s'appelle Mésange, qui est le modèle de Bercy, sur les effets de moyen et long terme des mesures qui auraient été prises si on avait suivi toutes
les demandes du Grenelle de l'environnement. Cette évaluation elle a été faite par Mésange et donc elle tirait des conclusions sur le caractère inflationniste ou pas et sur les avantages et inconvénients de ces mesures sur la balance commerciale et autres. Donc ils sont employés, ils servent à éclairer et là en l'occurrence les résultats étaient négatifs. Mais évidemment, c'est lié à la structure du modèle, et c'est là que je veux en venir, c'est que ces modèles et leurs structures ne tiennent pas du tout compte de la question de la raréfaction éventuelle des ressources naturelles, ne tiennent pas compte des effets du climat sur l'économie. Alors, une petite nuance sur mes trois premiers points, et puis je conclurai par un dernier point, petite nuance. Ce panorama un peu négatif que je fais est en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, notamment chez les jeunes économistes, de plus en plus d'intérêt sur ces questions-là, et ce que je dis aujourd'hui sera certainement démenti par les faits. Dans 10 ans, on constatera qu'il y a un déplacement des thèmes d'intérêt et que ce thème-là, enfin les thèmes climat, biodiversité, écologie, pollution vont rentrer quand même dans les publications, mais ce n'est pas encore le cas. Pour conclure et pour ne pas être trop long, je voudrais attirer l'attention sur un point qui est extrêmement préoccupant, qui est que l'un des rares économistes à avoir prix Nobel et pour s'être franchement intéressé à la question climatique, donc Willem Nordhaus, donc lui a fait l'exercice dont je dis qu'il n'est pas fait dans les grands modèles de politique publique, qui consiste à dire en fait c'est quoi les effets du climat sur l'économie. Et très étonnamment, les conclusions sont incroyables, c'est-à-dire grossièrement, pour la faire très simple, avec les modèles paramétrés par M. Nordhaus, en 2100, si le PIB aurait cru de 7 à 8 sans changement climatique, si la température moyenne planétaire est de 4 à 6 degrés, la réduction relative du PIB par rapport à ce que ça aurait été dans l'hypothèse précédente est de 10% du PIB à l'atterrissage. Donc ça veut dire, pour la faire très simple, si d'ici là il avait été multiplié par 6 à 8, le climat fait qu'il aurait été multiplié que par 5, quelque chose ou 7, quelque chose. Ce type de raisonnement est complètement hallucinant pour des gens qui ont bien compris les impacts considérables du réchauffement planétaire sur la planète et sur l'économie. Et d'ailleurs, il y a un travail qui a été fait par Gaël Giraud et Marie-Noëlle Boilez et je crois Antoine Godin à l'AFD, qui démontre que le même modèle utilisé à l'envers, c'est-à-dire sur une planète qui a moins 4, moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui, c'est en gros l'ère glaciaire, où il y a des glaciers de 2 km en Europe, l'impact sur le PIB serait pareil, symétriquement, de moins 10%. Donc on voit bien que ces modèles sont vraiment pas très sérieux. Donc pour terminer, il y a énormément de travail à faire, pour intégrer l'économie dans l'écologie, pas faire l'inverse, pas considérer que l'écologie est à la marge des questions économiques. Et deuxièmement, beaucoup, beaucoup de travail académique pour sortir des ornières dans lesquelles, manifestement, les économistes nous ont mis, nous ont fait perdre beaucoup de temps. C'est pas pour rien qu'Antonin Potier a écrit un livre, un petit bijou qui s'appelle « Comment les économistes ont réchauffé la planète ». Je pense qu'il est tout à fait vrai. Là, il ne parle pas de tous les économistes. Il parle bien de cette pensée dont je viens de décrire les grandes lignes. Voilà, Marion, ce que je veux dire en introduction. Je te laisse la parole. Marion, on ne t'entend pas. Excusez-moi, pardon. Donc, c'est Olivier qui va prendre la parole maintenant. Olivier, tu es macroéconomiste, tu as mené l'essentiel de ta carrière au sein de la Commission européenne et notamment de la DG, la Direction générale de l'économie et des finances, la DGECFIN pour les intimes, qui est un peu l'équivalent de notre ministère de l'économie et des finances en France, mais au sein de la Commission européenne. Et tu as récemment été l'un des fondateurs de l'ONG Greentervention, qui a pour objectif de suivre les politiques publiques européennes et d'essayer de faire en sorte de les influencer pour que les questions de transition écologique et climatique soient davantage prises en compte. Donc toi, tu vas un peu nous donner ta perception du consensus économique au sein de la Commission européenne. Est-ce que nos sujets sont traités? Dans quelle mesure les grandes politiques économiques du type semestre européen
intègre les politiques climatiques elles-mêmes menées par, également menées par la Commission européenne. Est-ce que le Green Deal lancé par la nouvelle Commission permet de faire un peu bouger les lignes? Voilà, à toi la parole, Olivier. Bonjour à tous et merci de cette invitation à présenter quelques points sur cette question éminemment importante. Pour faire le lien avec ce qu'Alain vient de dire, j'ai dit d'abord un mot sur la perception et la représentation des risques et d'urgence climatique dans les organisations, et notamment la Commission européenne. En effet, Alain a raison, cette représentation est importante, elle conditionne les conditions que nous sommes prêts à prendre individuellement et collectivement. Et donc, si on fait des erreurs de représentation, si on a des biais dans les représentations, et nous en avons tous de toute façon, les décisions seront différentes. Bon, alors un point sur la Commission actuelle quand même, puisque c'est la question. Elle n'est pas aveugle au risque climatique, elle a même fait de la lutte contre le réchauffement climatique son principal cheval de bataille. Mais il est vrai aussi qu'il y a encore un écart entre la représentation que la Commission, comme d'autres organisations ou administrations, fait de l'urgence climatique et les aléas du groupe international des experts climatiques, le GIEC. Et vraiment, cela peut influencer les décisions qui sont prises, les processus de décision, la conviction avec laquelle les propositions sont portées au sein du Conseil ou dans l'opinion publique, et de même les raisonnements et argumentations sous-jacentes. Donc, je pense que la question que vous posez est véritablement essentielle. Sur le sujet de la représentation, nous avons d'ailleurs écrit récemment un petit billet sur le site de Green Intervention, l'association. Et pour résumer, je vais juste faire un point. Ce qui est largement ignoré dans les représentations, c'est la possibilité de point de bascule. Donc, c'est pas non seulement une sous-évaluation, mais la possibilité de point de bascule qui conduirait à des événements qui sont à la fois inédits à l'échelle de l'histoire humaine, aux enchaînements de causalités que nous ne pourrons peut-être pas anticiper avec nos modèles et nos modes de pensée, mais qui seraient in fine catastrophiques pour l'hospitalité de la planète ou certains écosystèmes. Je pense là au fond irréversible de la coque glaciaire ou à le dégel du permafrost ou la disparition de barrières de corail. Or, ne pas prendre en compte cette possibilité, c'est la comparaison que je fais toujours, c'est accepter de jouer à la roulette russe sans même savoir combien de balles il y a dans le barillet. Donc, c'est véritablement cette incertitude radicale auquel nous sommes confrontés qui est encore extrêmement mal prise en compte par les économistes et les institutions. Et dans une telle situation, il y a une seule possibilité, c'est d'agir selon le principe de proportion, et au fond, refuser de jouer. Et concrètement, cela veut dire tout faire pour respecter l'accord de Paris et même être plus ambitieux et maintenir la température globale bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à la moyenne pré-industrielle. Bon, alors, pour vous rassurer un peu, la position officielle de l'Union européenne est bien de respecter l'accord de Paris et même d'être plus ambitieux. Et on peut espérer que c'est maintenant à nouveau le cas avec les États-Unis. Donc, la question n'est pas tant si l'économie et l'écologie sont mariées dans les instances européennes, mais si le contrat de mariage tient le bon cas. Car officiellement, il y a bien eu mariage. Avec la commission von der Leyen, donc bien tard, la lutte contre le changement climatique et avec d'autres objectifs environnementaux, en principe pris en considération par ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire le processus annuel de coordination des politiques économiques. Mais ce mariage reste superficiel. À ce stade, les recommandations écologiques dans le semestre européen portent essentiellement sur une liste d'investissements en soutien de la transition qui peuvent être cofinancés par le budget communautaire. Ça ne va pas au-delà. Quel est le projet de mariage? Tout mariage est un projet, normalement. Il me semble bien reflété par le graphique que la Commission européenne utilise pour illustrer sa vision. Je ne sais pas si Élodie peut mettre le graphique, s'il te plaît. Parfait, merci. Regardons le graphique d'ailleurs. Que dit-il pour le futur? Pour le futur, il dit que, d'une part, que la croissance du PIB reste l'indicateur phare de la politique économique de la Commission européenne,
et d'autre part, qu'une croissance verte assez rapide, puisque c'est à peu près 1,5% par an pendant les 30 prochaines années, serait possible tout en atteignant la neutralité carbone en 2050. Je ne sais pas si on voit mon pointeur là, non. Donc vous voyez, la courbe qui descend, c'est les émissions de gaz à effet de serre au cours du temps. Et la courbe qui monte, c'est le PIB. Donc vous voyez bien, l'idée géniale, c'est qu'on va pouvoir faire les deux à la fois. Donc c'est un premier point. On verra les conditions dans lesquelles ce sera possible et on peut aussi discuter si c'est absolument possible. Donc, quel est le contrat de mariage sous-jacent? Les économistes maintiennent leur objectif de croissance du PIB aussi rapide que possible et évidemment dans la stabilité financière, cela va de soi. Et les écologistes engagent que les investissements nécessaires pour réduire la dépendance du carbone seront faits. Mais si on regarde le passé maintenant, c'est-à-dire depuis 1992, on voit autre chose. On voit que la seule période de décarbonation substantielle de l'Union européenne a été les 8 à 9 ans d'austérité, de quasi-stagnation qui ont suivi les crises financières de 2008-2011, à peu près jusqu'en 2015-2016. Et si l'on rentre dans le détail, on verrait que les causes de la décarbonation de l'économie européenne sont pour l'essentiel le remplacement des centrales à charbon pour la production d'électricité et l'industrie lourde par de l'énergie renouvelable, mais aussi par du gaz naturel. Tout ou presque tout reste à faire pour les transports, les bâtiments, l'agriculture, l'utilisation des sols comme puits de carbone. Et l'hypothèse des nouvelles centrales à gaz naturel va continuer à peser longtemps. Il va donc falloir engager des transformations structurelles massives dans ces secteurs, tant pour la consommation que pour les modes de production. Donc on peut peut-être enlever maintenant, retirer la diapo. Merci. Est-ce que le projet du contrat de mariage, c'est-à-dire la transition écologique, pourra-t-il être réalisé? Fondamentalement, je vois trois obstacles au goulot d'étranglement. L'un est au niveau des États membres. Le premier obstacle, c'est l'absence persistante d'un engagement politique clair sur les politiques à mener, sur les investissements à réaliser et sur leur incidence budgétaire. Une conséquence très concrète de ce manque d'engagement est qu'il n'existe pas ou peu de programmes nationaux d'investissement dans lesquels puiser pour établir les plans de relance qui seront financés par la facilité. La qualité des plans nationaux actuellement soumis à la Commission sont, selon les informations dont j'ai pu disposer auprès de mes anciens collègues, s'en ressent assez fortement. Et c'est d'autant plus regrettable que la contrainte financière a largement été élevée actuellement pour raison de pandémie. Donc le premier obstacle, c'est vraiment au niveau des États membres, la capacité de formuler des politiques sectorielles dans les différents secteurs que j'ai mentionnés plus haut. Le deuxième obstacle est la difficulté dans de nombreux États à développer une vision de la dimension sociale de la transition. De nombreux emplois vont devoir être transformés, il va y avoir des réductions d'emplois dans certains secteurs, d'autres devront être créés ailleurs, d'une part, et d'autre part, il va falloir soutenir les revenus les plus bas, notamment si les taxes et les énergies fossiles augmentent dans un premier temps. Le troisième obstacle, c'est que tôt ou tard, il va falloir revenir sur la suspension des règles budgétaires décidées pour cause de pandémie et réintroduire des principes permettant de coordonner au sein de la zone euro les politiques économiques nationales, et notamment les politiques budgétaires. Une telle coordination est consubstantielle de l'union monétaire et on n'y échappera pas. Et bien entendu, là, les dogmes vont ressurgir assez rapidement. La question de la dette publique va être nouveau mise sur la table et du déficit budgétaire. Je pense qu'on ne va pas répéter la même erreur qui a été faite après la crise financière, c'est-à-dire une réduction beaucoup trop rapide des déficits, mais ces questions vont être rapidement sur la table. Donc, à mon avis, trois grands sujets vont devoir être débattus lorsque la réforme de la, de la, euh,
des règles budgétaires vont être sur la table en 2021. Premièrement, comment insuffler à la gouvernance économique plus de jugement et de transparence et moins de règles rigides, archaïques et inadaptées à un contexte maintenant caractérisé par une forte incertitude. Quelle attention porter à la dette dans un contexte macroéconomique caractérisé par du sous-emploi et des emplois précaires, un taux d'inflation faible, des taux d'intérêt qui sont proches de zéro ou négatifs et un besoin permanent, persistant en investissement. Et finalement, peut-être le plus important et le plus novateur et sur lequel, en effet, je ne vois aucune réponse des macroéconomistes qui résonnent sur cette question de la réforme des règles budgétaires, comme Olivier Blanchard, par exemple, comment intégrer la transition écologique dans ces règles budgétaires? C'est-à-dire, comment assurer que les finances publiques soutiennent des activités durablement compatibles avec les objectifs climatiques et éliminent et conduisent à réduire les activités qui ne le sont pas? Car il ne s'agit pas seulement de financer des dépenses de transition, il faut aussi réduire et éliminer les dépenses qui contribuent à reproduire un modèle économique insoutenable. Le mariage est possible, probablement, mais une pression politique substantielle est nécessaire aux deux niveaux, européen et national, pour faire évoluer un consensus forgé de crise en crise. Et expliquer pourquoi le consensus est tellement figé, peut-être ferons-nous un autre débat là-dessus. Merci Olivier. Donc, ce qu'on peut retenir finalement, c'est que il y a des frémissements dans la convergence entre les objectifs politiques et les objectifs économiques et les objectifs climatiques, mais qu'il y a énormément d'obstacles encore à franchir à la fois au niveau national et à la fois au niveau européen. Maintenant, je vais donc donner la parole à Laurence, qui est revenue nous rejoindre sur scène. Donc, Laurence, tu es professeure à l'Université Paris-Nanterre et donc ton domaine d'enseignement et de recherche, c'est les régulations financières et puis les politiques menées par les banques centrales aussi. Et puis, depuis 2-3 ans, tu t'investis beaucoup plus sur les questions, sur les liens entre finance et transition écologique. Et il faut noter aussi que tu es membre du conseil scientifique de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est en gros l'organisme qui régule les banques et les assurances. Donc en gros, autant dire que tu connais bien le monde de la finance, à la fois au niveau académique et à la fois au niveau des professionnels. Et la question dont on va te poser, c'est dans ces institutions, dans quelle mesure les questions écologiques sont-elles prises en compte? Et en particulier, on sait que depuis 2015, a émergé une question, un thème assez important qui est celui du risque, des risques financiers posés par le réchauffement climatique. Donc, ça rentre dans le cœur de réflexion de la finance. Est-ce que ça veut dire que les choses bougent? Est-ce qu'on change un peu de modèle de façon de concevoir ces sujets dans ce milieu ou pas? Voilà, à toi la parole, Laurence. Ton micro. Je pense que tu as oublié ton micro, Laurence. Ah, on a un problème technique. Merci. Merci, Élodie. Désolée, je n'avais pas la main sur le micro. Dans la lignée de ce qu'a dit Alain sur la responsabilité d'une certaine manière des économistes de notre incapacité en économie et donc dans les conseils qu'on donne aux policymakers de réencastrer l'économie dans les limites planétaires, dans les questions écologiques, moi je vais vous parler d'un sous-segment qui est la finance. Donc d'abord je vais vous expliquer toutes les entraves qui sont liées au paradigme qui structure la manière dont on pense le fonctionnement de la finance et dont on pense les régulations financières. Et ensuite, on viendra sur comment est-ce qu'on peut dépasser ça. Donc en fait, jusqu'à la crise financière, le monde de la finance était dominé d'une certaine manière par un paradigme qu'on appelle l'efficience des marchés financiers. Donc je ne vous rentre pas dans les détails, mais en gros, ça veut dire que
c'est l'idée que dans les prix qui se forment sur les marchés financiers, eh bien, toute l'information sur les facteurs réels et financiers qui doivent influencer ces prix sont intégrés. Et donc, ça veut dire que l'image que ça véhicule derrière, c'est qu'on ne peut pas avoir une déconnexion de la finance par rapport à l'économie réelle. Alors, c'est assez incroyable que ce paradigme ait influencé tellement les policymakers, parce qu'on a en fait une multiplication d'évidences empiriques au moment même où cela dominait, hein, qui infirmait ce paradigme. Hein. On a la résurgence des cycles financiers, on a eu des crises financières à répétition depuis la fin des années 80 un peu partout dans le monde, et pourtant, ça a vraiment inondé, disons, et influencé très fortement la manière dont on a structuré la régulation de la finance. Au départ, c'était simplement une théorie qui était portée par une école, l'école de Chicago. Hein. Progressivement, c'est devenu une doctrine, puis c'est devenu un dogme. Ça a été excessivement structurant hein, sur l'avènement du néolibéralisme, sur des conceptions très pro-marché, et sur le fait qu'on laisse se développer une finance complètement hypertrophiée et peu régulée. Hein. Et après tout, les mots ont un sens. Hein. Efficience des marchés, vous voyez bien, si les marchés sont efficients, bah pourquoi est-ce que l'État viendrait interférer dans leur fonctionnement, hein, autant les laisser s'auto-réguler. Et ce faisant, la conception, derrière cette théorie qui est devenue un dogme, il y a aussi l'idée que l'État, bah, fallait qu'il n'interfère pas trop avec le fonctionnement des marchés. Donc ça, c'est ce qui s'est imposé depuis une bonne quarantaine d'années. Hein. Par exemple, dans la gestion publique, ça prend la forme du nouveau management public, hein, qui est l'importation de critères de gestion privée, supposés nécessairement plus efficaces, hein, à la sphère publique, hein, c'est comme ça qu'on gère les hôpitaux, etc. Bon. Et puis également, dans le nouveau management public, il y a le fait de valoriser dans la carrière des hauts fonctionnaires, eh bien, ces allers-retours, hein, entre les postes de direction dans les banques et puis avec des postes dans la régulation, des postes dans les cabinets, etc. Bon, bref. Donc, si vous voulez, cette théorie économique, elle est sortie du monde de la recherche. Et c'est ça le problème. Et elle s'est cristallisée dans des institutions, dans des réglementations, dans des principes de gestion, dans des règles de fonctionnement de l'économie, etc. Et en fait, ça a légitimé, si vous voulez, une réglementation des banques qui fait la part belle à l'autorégulation et à l'utilisation au cœur même de la régulation publique, hein, de modèles de gestion, gestion des risques qui ont été imposés par les acteurs de marché. Alors, par exemple, je vous donne juste un exemple parce que, si vous voulez, on pourrait les multiplier, mais à travers l'exemple que je vais vous donner, vous allez comprendre pourquoi on a cette incapacité à penser en fait l'écologie. Hein. Se sont imposés des modèles qu'on appelle les modèles VAR, hein, et en fait, c'est JP Morgan qui a imposé cette méthodologie au début des années 90. Très, très vite, les régulateurs en ont fait un standard en matière de régulation, alors que c'est une méthodologie d'évaluation des risques qui est très pro-cyclique. Ça veut dire qu'elle accentue le cycle économique et donc elle accentue l'instabilité financière dans sa dimension temporelle. Elle est incapable de traiter de la question des risques systémiques. Elle considère que le futur, c'est la simple perpétuation du passé. Alors, pourquoi est-ce que je parle alors qu'on est sur économie et écologie de cette question? Eh bien, voyez, parce que là, typiquement, on a une théorie économique qui est devenue une doctrine qui s'est encapsulé dans des dispositifs de gestion et de contrôle qui ensuite apparaissent aux acteurs comme neutres et donc comme, si vous voulez, comme, comment dire, et c'est ça justement qui en fait la puissance, hein, c'est qu'ils apparaissent comme neutres alors qu'en réalité, ils sont tout sauf neutres. Ils sont au contraire pétris d'une idéologie quant à la conception du monde et de l'écologie et de l'économie qu'ils véhiculent. Et très, très étonnamment, la crise de 2008 n'a pas provoqué de ruptures paradigmatiques. Alors certes, on a un peu plus régulé la finance, hein, et les banques, mais on n'est pas revenu, par exemple, sur le fait que les banques, elles calculent elles-mêmes, avec ces modèles, leur ratio de capital. Et donc, l'autorégulation, on l'a maintenue, malgré une crise financière qui infirmait tous les soubassements, si vous voulez, de ces réglementations prudentielles. Et donc là, j'en viens à la question à proprement parler. Si vous voulez, cette influence de la théorie d'efficience qui maintenant est gelée, si vous voulez, dans tous nos dispositifs de régulation, en fait,
rend très difficile, nous désarme collectivement pour répondre à l'urgence climatique, notamment dans sa dimension financière. Si vous voulez, par définition, les marchés financiers sont absolument incapables de correctement tarifer les externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Les mécanismes de marché conduisent donc nécessairement, si on laisse les marchés tous fonctionner par eux-mêmes, à sous-financer très fortement tout ce qui est bon pour le climat et à surfinancer tout ce qui est mauvais pour le climat, justement parce qu'on ne tarifie pas les externalités. Et si vous voulez, les modèles de gestion des risques qu'on utilise, évidemment, amplifient encore cette incapacité, puisqu'ils sont alimentés par des données du passé. Or, si vous voulez, les risques financiers climatiques dont je vais vous parler immédiatement, c'est des risques qui ne se sont pas encore produits, qu'on peut analyser analytiquement, qualitativement, en prenant en compte les données scientifiques qui font consensus relativement au réchauffement climatique, qui sont ceux que nous donne le GIEC, mais on ne peut pas quantifier comme on le faisait avec les risques où on utilisait les données du passé. Et donc ça, c'est une entrave majeure véritablement aux modifications, si vous voulez, de la manière dont on perçoit ces risques financiers. Alors depuis 2015, les choses bougent dans le monde de la finance, depuis un fameux discours de Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre et qui dirigeait le Financial Stability Board. Et dans ce discours prononcé en septembre 2015, il s'adresse à des financiers, à la Lloyds, et il leur dit « Attention, pour votre propre intérêt, dans votre propre intérêt, vous avez intérêt à vous préoccuper du climat. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique va se transformer en risques financiers qui sont des risques systémiques. » Donc, il définit trois risques. Le risque physique, donc c'est lié à la montée des océans, les inondations catastrophiques, les canicules, les cyclones, etc., qui détruisent du capital physique, qui détruisent des recettes récurrentes, les rendements de l'agriculture, les recettes de tourisme. Voilà. Et là, les assureurs sont en première ligne, puisqu'ils assurent justement les stations de ski, par exemple, contre le manque de neige ou ce genre de trucs. Le deuxième risque, qui est celui sur lequel je vais juste m'apesantir un tout petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est le risque d'échouage. Le risque d'échouage, c'est, si les gouvernements font une politique pro-climat à la hauteur de leurs propres engagements en matière de neutralité carbone et simplement nos engagements à la COP21. À ce moment-là, ça veut dire que des secteurs entiers vont voir leur profitabilité considérablement baisser, notamment tous les secteurs très carbonés, et on va avoir un effondrement des actifs financiers qui sont adossés à ces secteurs carbonés. Et en fait, ça ne va pas du tout concerner uniquement les industries extractives, première chose à laquelle on pense, mais les travaux académiques montrent qu'on va avoir des cascades d'échouage. Vous voyez, ça va concerner les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles, le transport maritime, etc. Donc, si vous voulez, c'est bon. Et évidemment, ça a une contrepartie financière qui va être, ça va être des pertes très importantes, des risques de crédit et puis du risque de marché, et qui peut altérer la solidité des institutions financières dans la mesure, notamment, où ces risques ne sont pas couverts par la réglementation aujourd'hui. Donc, la prise de conscience est très forte aujourd'hui, notamment dans le monde des banques centrales, qui ont créé un réseau de régulateurs et de banques centrales, le NGFS, pour traiter de ces questions. Donc, il y a une espèce de consensus sur le diagnostic. Par contre, il n'y a pas du tout de consensus encore sur qu'est-ce qu'on doit faire, en réalité, face à ces nouveaux risques. Pour l'instant, on se contente d'avancées incrémentales, c'est-à-dire qu'on met le paquet sur l'amélioration de l'information sur les expositions à ces risques, la divulgation, la standardisation de cette information dans un reporting extra-financier, on crée des labels verts, des labels durables, c'est tout le travail engagé par la Commission sur la taxonomie verte. Donc l'idée qu'il y a bien derrière ça, c'est si on donne plus d'informations au marché, une information plus fiable quant aux expositions face aux risques climatiques, disons, eh bien, le marché va s'emparer de cette information et puis, miraculeusement, on va avoir une réallocation des flux financiers du brun au vert. Alors, bien sûr, il ne faut pas du tout nier l'avancée. C'est une avancée considérable que l'on améliore considérablement la qualité, la disponibilité de l'information extra-financière relativement aux questions environnementales. Mais c'est une illusion de croire
quand on connaît la manière dont fonctionnent les marchés, que ça va suffire à une réallocation des ressources financières dont on a besoin pour réussir la transition écologique de nos économies. Donc on a vraiment besoin d'une rupture paradigmatique, car nos connaissances sont encore très limitées en réalité sur la transposition en risque financier de ce que l'on sait sur la matérialité du risque climatique. Donc ce qu'on sait avec certitude, c'est que le prix de l'inaction à court terme va renforcer les catastrophes naturelles, va renforcer les catastrophes climatiques. Et même si nos modèles sont incapables aujourd'hui de quantifier précisément les coûts, on sait qu'ils vont être massifs, on sait qu'ils ne sont, ils sont potentiellement non bornés, ils sont potentiellement infinis, compte tenu des boucles de rétroaction positives qui caractérisent le fait qu'on franchisse les limites planétaires. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que la simple reconnaissance des savoirs scientifiques qui font consensus, ceux qui sont portés par le GIEC, sur les effets matériels du réchauffement climatique, sur les bifurcations que l'on risque d'avoir, sur les points de basculement et sur les irréversibilités. On ne revient pas en arrière. On ne peut pas se dire subitement, bah, je me suis trompé de trajectoire, je vais faire marche arrière. Non, là, on est face à de l'irréversible. Eh bien, ça plaide pour l'application d'un principe de précaution, c'est-à-dire prendre des mesures avant même qu'on sache correctement quantifier les risques, prendre des mesures de précaution pour protéger la société. Et donc ça, c'est vraiment une rupture majeure dans la manière dont on calibre les politiques publiques. Et le risque, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on cherche, enfin, c'est d'ailleurs ce que dit toujours le NGFS, on a conscience des risques, mais encore plus de recherches pour essayer de mieux les quantifier. Oui, mais on n'a pas le temps. Le GIEC nous dit on a 20 ans pour agir. Et donc, il faut aller vers quelque chose de radicalement nouveau, qui est un principe de précaution et qui générerait évidemment une transformation majeure de la finance. Merci. Merci beaucoup. Avant d'essayer de synthétiser les questions très nombreuses posées par la salle, si on peut dire, je vais vous redonner la parole chacun pour, on va dire, une minute, mais on est très très bien dans les temps, bravo. S'il y avait une mesure ou quelque chose de vraiment fondamental pour vous à mettre en place aujourd'hui, ce serait quoi? Que ce soit du domaine de la recherche ou de l'action publique en économie. Voilà, juste une mesure. Votre mesure préférée. Allez-y, qui veut commencer? Alain? Ouais, oui, c'est une question difficile parce que moi, ce pourquoi je plaide, c'est un bouquet de mesures. Donc, précisément, s'il y a une mesure à prendre, c'est un ensemble de mesures qui sont cohérentes. Mais s'il y en avait une à choisir en tête de gondole, je suivrais assez volontiers Éloi Laurent, qui a écrit un livre passionnant que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Sortir de la croissance, mode d'emploi, et puis tout à fait récemment, Ici la santé guidait le monde, qui a écrit deux livres sur le sujet. Donc, j'aurais tendance à mettre ça en tête de gondole, c'est-à-dire sortir de la tyrannie du PIB et organiser la vie publique autour d'indicateurs qui concernent la vie réelle, c'est-à-dire la qualité de vie, les emplois, les inégalités sociales, et puis bien sûr nos sujets de limites. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, comme l'a démontré brillamment Olivier. Il y a une inféodation au PIB, et en fait le reste en dépend. Moi, je pense que il faut remettre les choses dans l'ordre. Ok, merci Olivier ou Laurence. Olivier? Non. Ah, on t'entend plus Olivier. Hein. Bah Laurence, vas-y. Je prends la parole. Donc, écoute, moi je pense que pour transformer la finance, à la fois en matière de réallocation des flux financiers, en matière d'évaluation, de maîtrise des risques financiers climatiques, il faut que les banques centrales modifient radicalement leur doctrine. Ce sont des acteurs majeurs qui sont capables de modifier les conventions de marché. Donc, je plaiderais pour un verdissement et de la politique monétaire de la Banque centrale et pour une politique macro-prudentielle climatique qui reposerait sur des approches assez frustes du risque et qui mettrait en musique le fameux principe de précaution dont je parle, qui est la simple reconnaissance qu'on est dans un univers d'incertitude radicale et pas de risque. Olivier, tu veux dire quelque chose là-dessus aussi? Mais
La première chose que je dis, c'est que je suis d'accord à la fois avec Alain et avec Laurence sur la question de l'incertitude radicale. Et en effet, je pense que pour éviter d'être submergé par l'incertitude radicale, je crois qu'il faut revenir véritablement sur le paradigme économique qui est que l'on peut donner un prix à toute chose, que l'on peut. J'ai vu un certain nombre de questions qui allaient dans le sens. Et, tout à fait. Et fonctionner par tâtonnement. C'est-à-dire que nous devons comprendre d'abord ce qui se passe autour de nous et après on peut prendre des décisions. Et je crois que imaginer que l'on puisse avoir des règles fixes, archaïques, pour régler les questions de finances publiques, c'est une erreur fondamentale. Je crois que là-dessus, il faut vraiment changer le paradigme, en effet, de la façon dont on conçoit des politiques budgétaires, la gestion de la dette, etc. Tâtonnement et reconnaître que nous sommes, que nous ne savons pas tout et que nous ne pouvons pas tout anticiper dans des modèles probabilistes. Ça vaut pour la finance, ça vaut aussi pour les finances publiques. Ok, alors maintenant je vais essayer de voir un peu dans les questions qui m'ont été remontées aussi par Élodie et Amandine, hein, qui sont derrière et qui nous aident bien. Il y a eu pas mal de questions autour de la question autour du thème du prix, donner un prix à la nature, donner un prix au carbone. Derrière, il y a aussi la question de comment remettre en cause l'analyse coût-bénéfice. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos avis là-dessus? C'est une des recommandations majeures des économistes, hein, de donner un prix notamment au carbone, mais aussi plus généralement aux dégradations environnementales, d'où ça vient et en quoi est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est la solution? Ouais. Je peux prendre la parole 2 minutes là-dessus. En 2 points, l'analyse coût-bénéfice... sort complètement de son domaine de validité quand elle s'amuse à nous expliquer quels sont les arbitrages à faire entre le climat et le coût à long terme du climat et les dépenses actuelles pour éviter la dérive climatique. C'est exactement le piège dans lequel tombe Nordhaus. Donc avant même de rentrer dans le détail du modèle d'ICE qui est affolant de simplisme, avant même, fondamentalement, c'est une erreur de principe de faire ce type d'analyse qui est faite en fait pour des raisons à la marge. Donc effectivement, si je fais des comparaisons entre deux options sur une ligne ferroviaire, je ne sais peut-être pas pourquoi ils sont idiots de faire une petite analyse coût-bénéfice, mais dès qu'on n'est pas dans du marginal, mais dans du fondamental, c'est juste une hérésie. C'est vrai aussi dans les calculs sur le coût de la vie ou la valeur de la vie. Bon, ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, c'est qu'il ne faut pas confondre coût et valeur. D'ailleurs, j'étais en train de le faire juste avant. Moi, je suis absolument convaincu, j'ai une grosse expérience de conseil auprès des entreprises, que la valeur tutélaire du carbone ou la valeur théorique du carbone telle qu'elle peut sortir des commissions Kiné auxquelles j'ai participé en France, c'est pas des choses qui parlent du tout aux entreprises. Ce qui parle aux entreprises, c'est les vrais coûts, les vraies dépenses qu'elles vont faire pour faire face au changement climatique. Et donc, si je prends un exemple très concret, au lieu de dire Total émet 400-500 millions de tonnes de CO2 à la valeur de 100 euros, ça fait tant d'euros, c'est pas ça la question. La question de Total, c'est est-ce qu'un jour on va l'obliger, au nom d'un principe de précaution dont je partage l'intérêt de l'obligation, de faire des dépenses, des vraies dépenses, des vraies sorties de cash, voire des cessions d'actifs, qui vit à mettre cette entreprise, je prends Total, mais ça peut être Exxon et toutes les autres, hein, je désigne pas un mauvais, pour être aligné sur l'accord de Paris. Et là, on va s'apercevoir que les coûts sont très, très, très élevés et que la modeste valeur du carbone à 100 euros la tonne en 2020 et 250 en 2030 que propose Kiné est assez loin du compte pour certains secteurs. Je vais pas en dire plus parce que je pourrais être très, très long sur le sujet. Laurence Olivier, vous voulez rebondir sur la question? Il y avait une question notamment qui disait, est-ce que c'est pas finalement aux scientifiques de déterminer le prix du capital naturel et puis après aux politiques de le mettre en œuvre? Est-ce que c'est si facile de déterminer le prix du capital naturel? Parce que c'est possible en fait. J'ai un doute, mais peut-être, il faut peut-être sortir de l'idée que tout se règle avec un prix. Je pense qu'il y a il y a une prix Nobel, notamment Eleanor Ostrom, qui a montré qu'il y a des modes de gestion de biens communs et des biens qui ne sont pas ceux du marché. Et je crois que nous sommes dans une situation où, à la fois en raison de la complexité,
du fait qu'il s'agit d'un environnement naturel qui ne réagit pas, lui, au prix. L'environnement naturel ne réagit pas au prix qu'on va lui donner. Hein. C'est évidemment, il va réagir aux actions matérielles qu'on va lui faire subir. Au fait que, et nous devons sortir de cette idée que tout se règle. Je vois, vous m'entendez encore là ? Oui, oui. Que tout se règle par le marché et par les prix. Donc c'est vraiment un nouveau mode de gestion qu'il faut inventer parce que nous sommes face à une incertitude radicale, parce que nous sommes face à une complexité, et parce que nous sommes face à une nature qui ne réagit pas au prix. Donc c'est aberrant d'imaginer qu'on va pouvoir mettre un prix à quelque chose qui ne réagit pas à ce prix-là, mais qui va en revanche fight back d'une façon ou d'une autre, sans intention évidemment, mais simplement du fait de la matérialité. Oui, je peux continuer ? Vas-y, vas-y. Ouais. Donc, pour ce qui est du prix du carbone, je pense effectivement qu'il y a des économistes qui y voient la solution miracle. Les économistes qui voient la solution miracle, ce sont généralement les économistes, effectivement, qui croient que le prix est capable de régler absolument tout. Et donc, ce sont des économistes qui ne sont pas du tout en rupture avec le corpus théorique dominant dont on a parlé. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prix du carbone élevé, etc., Mais ça doit faire partie de toute une palette de mesures et il faut accepter également des mesures d'interdiction de certaines pratiques, de forte réglementation de certaines pratiques. Je ne sais pas, moi, en finance, par exemple, personnellement, je pense qu'il faut interdire le trading à haute fréquence qui est excessivement nocif, il faudrait interdire la gestion passive, par exemple, qui est très dominante en finance et qui consiste en fait à reproduire les indices. Ça consiste donc à reproduire tous les biais carbonés. Mais c'est excessivement nocif. Donc, je veux dire, il faut accepter qu'il y a des réglementations à prendre et qu'elles ne doivent pas toutes passer par le prix. Et je dirais également que l'idée de donner un prix à tout, y compris à la nature, malheureusement, c'est encore une preuve de scientisme, quoi. C'est-à-dire la croyance qu'on est capable de dominer par le chiffre, par la quantification, Et ça, malheureusement, enfin, je veux dire, c'est ne pas tirer les leçons de la situation dans laquelle on est, quoi. Il y a eu pas mal de questions sur différents types de solutions, différentes voies. Donc, j'en ai eu une sur la question de la comptabilité, notamment du modèle CARE. Il y a une question aussi sur la prise en compte des indicateurs extra-financiers. Toi, Laurence, les indicateurs ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, et aussi des questions autour des plans de relance, 30 milliards sur 100 milliards du plan de relance français, est-ce que ce n'est pas 30 milliards pour l'écologie dans le plan de relance français sur les 100 milliards, est-ce que ce n'est pas une forme de mariage écologie-économie ? Voilà, donc déjà, ça, c'est trois points-là. Allez-y, parce que j'essaie de retrouver les questions pour mesure. Oui, Marion, je vais répondre sur CARE et sur le plan de relance. Alors, ça fait très très longtemps, à titre personnel, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un petit logo de l'île de Pâques sur le blog qui s'appelle « Les chroniques de l'Anthropocène ». Ça fait très longtemps que j'ai en tête que les représentations, notamment les représentations comptables, sont à la base des représentations dominantes en gestion et en économie, et que modifier ces représentations va contribuer de manière massive au changement de paradigme dont on parle. Et dans cette affaire-là, j'ai été très heureux de découvrir les travaux de Jacques Richard et d'Alexandre Rambaud, donc il y a une chaire écologique qui a été créée par Alexandre Rambaud il n'y a pas très longtemps, qui vise à développer, populariser un nouveau modèle comptable dit à triple capital, dans lequel les capitaux naturels et les capitaux humains sont traités à équivalence avec les capitaux financiers qui sont aujourd'hui au passif du bilan et donc en gros sanctuarisés. Une entreprise doit sauver, d'ailleurs la preuve en est que si on a consommé les capitaux propres, on doit les reconstituer ou faire faillite. Et donc la comptabilité en triple capital a cette but-là. Alors il y a dans les années 2005, on a écrit avec Jean-Marc Jancovici un livre qui était un plaidoyer pour la taxe carbone, parce que ce que j'ai dit sur la valeur du carbone n'est pas très différent de ce qu'a dit Laurent sur le fait qu'il faut un prix réel dans l'économie du carbone qui peut être très élevé. Et après, on trouve des méthodes comme on peut. D'ailleurs, ce n'est pas des analyses coût-bénéfice, hein, c'est des analyses coût-efficacité
qui permet de donner des ordres de grandeur. La raison pour laquelle, à l'époque, j'étais plutôt fan de la taxe carbone dans un portefeuille de mesures, sachant qu'évidemment, ce n'est pas un outil magique, il faut un ensemble de mesures, c'est parce que je me disais, les changements de représentation comptable et les changements de référentiel comptable, il y en a pour 40 ans. C'est des forteresses, hein, les IFRS, c'est un guide méthodologique qui doit faire 1000 pages, c'est des enjeux considérables, les Big Four sont là, c'est compliqué. N'empêche que j'ai été assez convaincu du fait qu'il fallait faire avancer. Et donc, je pousse très fort. J'ai discuté d'ailleurs cette semaine avec Alexandre Rambaud et d'autres collègues pour qu'on puisse, par exemple sur le climat, regarder ce que, sur le capital climat, comment ça peut se matérialiser par rapport à tous les travaux qu'on fait sur le bilan carbone. Voilà. Donc, ça, c'était sur CARE. Sur le plan de relance, probablement Olivier a envie d'en parler. Donc, je dirais que deux choses. C'est que la première, c'est une information. Donc, le Haut Conseil pour le climat s'est saisi du sujet. Donc, il y a une note qui va sortir très bientôt, d'analyse assez détaillée du plan de relance français. Et donc, du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus vite sur mon propos, qui est en deux temps. Évidemment que ce n'est pas si mal que ça qu'il y ait un tiers, 25%, un tiers du plan qui soit consacré assez clairement à nos sujets. Mais le problème, c'est que si les deux autres tiers vont dans le mauvais sens, ce n'est pas très sûr qu'au total, on ait gagné la partie. Mais le choix qui a été fait résulte exactement de ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire croissance first. Donc, par exemple, hein, dans les deux tiers, il y a un truc qui s'appelle la réduction des impôts de production. Il y a des débats non plus finir entre les économistes pour savoir si c'est pertinent ou pas, mais en tout cas, la conviction qui a animé la décision autour de ça, ce n'est pas du tout les questions d'écologie, c'est les questions de croissance. Et donc, nos dirigeants considéraient que faire baisser les impôts de production, c'était libérer un peu de croissance potentielle, et donc c'était bon pour la croissance, virgule, je rajoute, et donc s'il y a un peu plus de croissance, on aura un peu plus de moyens pour lutter contre la dérive climatique. C'est aussi simple que ça, le raisonnement, il est vraiment complètement faux, mais c'est ça qui est derrière. Je rajoute juste un point, c'est que sur le site de la Fondation de Nicolas Hulot, vous trouverez pas mal de fiches et de notes de propositions autour des questions du plan de relance, notamment des analyses sur le ferroviaire, quels sont les investissements dans le ferroviaire dans le plan de relance. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur le, d'ailleurs, tout nouveau site de la Fondation qui est sorti hier, je crois. Critère ESG, en fait, il y a une question un peu plus large qui parle de Basel 4, etc. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on parle des critères extra-financiers. Alors, oui, vas-y, Olivier. Sur le plan de relance, premièrement, la Commission n'a pas particulièrement apprécié la baisse des impôts à la production par la France. Si on lit l'opinion de la France, de la Commission sur le budget. Alors, j'étais tout content, je me dis, mais la raison pour laquelle elle n'a pas apprécié, ce n'est pas parce que c'est général, parce que ce n'est pas ciblé, mais c'est parce que c'est permanent et que ce n'est pas compensé par des mesures qui, à long terme, vont pouvoir réduire le déficit. Donc, c'est la raison pour laquelle, et donc vraiment, on voit là encore très fortement ancré dans les raisonnements de mes anciens collègues de la BG ECFIN, le fait que la gestion de la dette doit primer sur l'écologie fortement. Et ça, c'est vraiment un caractéristique et caricatural de la pensée encore qui existe encore à la Commission sur ce sujet. Donc, l'intégration n'est vraiment pas encore complètement faite. Ça, c'est clair. C'est tout. Pour les 30%, c'est sympathique. La question est de savoir comment on décide si un investissement est vert ou pas, et si c'est une dépense verte ou pas. Et là, les critères qui sont utilisés sont encore extrêmement flous, et malheureusement, on n'est pas encore là assez loin. Et personnellement, je pense que cette question de quantification de dépenses à quelque chose qui passe sous silence le fait qu'on a besoin de politiques qui vont soutenir, qui vont être à l'origine de ces dépenses. Donc, c'est plus les politiques et les résultats escomptés de ces politiques qui comptent qu'une quantification. Et là encore, on est dans une approche quantitative, alors qu'il faudrait avoir beaucoup plus de background sur les politiques sous la chambre pour pouvoir juger. Non.
concernant la réglementation de Bâle 4, j'ai retrouvé la question là. Donc, il est fait allusion à l'existence, évidemment, hein, dans la finalisation des accords, ce qu'on appelle ça un flow capital, c'est-à-dire on limite l'écart qu'il peut y avoir entre le calcul, c'est un peu technique, hein, le calcul de l'actif pondéré par les risques, c'est-à-dire du dénominateur du ratio par les modèles internes et par des méthodes ce qu'on appelle des méthodes standards. Donc, en fait, effectivement, ça a été adopté. Ça n'a rien à voir avec les questions climatiques. Hein. C'était pour limiter les possibilités de manipulation par les banques de l'actif pondéré par les risques, parce que les travaux empiriques montrent que plus les banques sont systémiques, plus elles manipulent leur actif pondéré par les risques. Et donc là, on limite les possibilités de manipulation. Il est fait allusion également aux stress tests climatiques. Les stress tests climatiques, le terme est assez mal employé en fait, parce que dans les stress tests qui ne sont pas climatiques, on déduit des besoins en capital. Dans les stress tests climatiques que l'on fait, on ne déduit pas des besoins en capital. Donc ce faisant, ça n'adosse pas une réglementation et des exigences des superviseurs aux risques financiers climatiques. Et concernant tout ce qui relève des critères ESG, hein, là je reprends des choses que j'ai dit dans mon exposé liminaire, hein, c'est une avancée, indiscutablement c'est une avancée, la prise en compte de ce type de critères, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des efforts qu'il y a à faire et de la transformation massive de la finance. Je voudrais dire juste une chose. Vous voyez, là pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est la finance dans son intérêt a intérêt à prendre en compte les questions de climat parce qu'elles vont avoir un effet sur la finance. Mais il faut bien comprendre que ça marche dans l'autre sens. La finance, si on ne la transforme pas radicalement, on ne va pas pouvoir faire la transition écologique et la reconversion écologique. Donc, ça veut dire que ça ne va pas que dans un sens, ce n'est pas juste la finance a intérêt, dans son propre intérêt, à prendre en compte les questions climatiques. Mais le climat lui-même ne réussira pas la transition si on n'arrive pas à réallouer très massivement les fonds. Et pas juste investir dans le vert, mais également désinvestir massivement dans le brun. Alors, merci. Donc là, je vais partir sur un pool de questions que je vais appeler des questions vision. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question qui a dit simple. C'est quel modèle d'économie et de société qui serait compatible avec les accords de Paris? Donc, c'est effectivement une question fondamentale. Et puis, les questions de Fanny P et de Marie Coudray, là, juste à la fin du fil, c'est un peu ça aussi, ça relève un peu de ça. Hein, comment inverser les priorités, comment limiter l'importance de l'économie. Dans la lignée aussi de cette question-là, il y a la question de l'emploi qui a été posée. Est-ce que la transition écologique, ça nous fait des emplois, ça en détruit, ça en reconstruit? Voilà, donc là, on est un peu plus sur la vision. C'est quoi pour vous une société, un modèle qui s'est transformé? Je vais me lancer le premier. Je voulais faire mon panel de mesures, là, c'est bon. Non, c'est pas mon panel de mesures. Non, je vais faire quelques remarques pour poser le problème. C'est que d'une part, on est face à des urgences vitales. Donc, face à des urgences vitales, il ne faut pas se tromper sur les leviers sur lesquels il va falloir agir. Il ne faut pas trop se tromper sur l'analyse des freins. Je pense que la décennie qui vient, 2020-2030, c'est une décennie clé. On est grosso modo, je ne parle que du climat, mais sur la biodiversité, on pourrait faire exactement les mêmes commentaires, mais je vais pas les faire parce que je donnerai des chiffres un peu moins précis que ce que j'ai donné sur le climat. Mais sur le climat, 1,2 degré, ça c'est l'augmentation de la température moyenne planétaire constatée à ce jour par rapport au début des mesures, enfin, disons 1880, on prend 0,2 degré par décennie. Donc, ça veut dire que le 1,5 degré, il est quasiment acquis si on n'a pas un changement, une bifurcation majeure. Alors, on a une petite bifurcation grâce au petit Covid, mais le petit Covid, il ne nous fait pas prendre de changement de structure. Donc, dès qu'on sort de la petite crise du Covid, ou de la grosse crise, comme on l'entend, on revient comme en arrière. Donc, moi, la question très générale de qu'est-ce que c'est le beau modèle qu'il faudrait faire en théorie
pour être heureux dans une planète sympathique et avec des bonnes relations, ça m'intéresse bien pour me donner le moral le matin. Mais ce n'est pas vraiment les questions que je me pose quand je suis dans le domaine de l'action politique. Les questions que je me pose, c'est plutôt sur quels sont les leviers sur lesquels je pense souhaitable de jouer. Et là, effectivement, mais je vais être rapide en deux, trois mots, effectivement, on a presque fait le tour là, dans notre discussion. Là, hein. On a évidemment des leviers de politique publique majeure qui sont tout ce qui tourne autour de la dette, de la monnaie, de la politique monétaire. Donc on a écrit un petit livre avec Nicolas Dufresne, qui s'appelle Une monnaie écologique. Je me permets d'en faire la publicité deux minutes, parce que là, il y a les enjeux autour de l'écologisation de la politique monétaire sont abordés. Laurence a donné deux pistes. Les questions budgétaires, on a fait un petit livre qui s'appelle Agir sans attendre, où aussi on explique, comme l'a dit Olivier, qu'il faut jouer sur ces politiques, hein, tant que les budgets sont calculés comme ils sont, c'est-à-dire de manière comptable, et qu'à la fin de l'histoire, on fait une addition, une soustraction de recettes et de produits, et puis on se dit ce qui est bien, c'est d'être au-dessus ou en dessous de 3%. Enfin, je veux dire, évident que c'est stupide et que ça ne nous mettra pas dans. Voilà, ça, c'est des grandes questions de politique publique. Ensuite, il y a des questions qui tournent autour des ménages et des citoyens qui ont leur part à faire là-dedans. Parce qu'ils ont, comme ils ont un pouvoir d'achat, ben ils ont un pouvoir d'action sur les entreprises, et ils ont des représentations, ils ont des préférences collectives, il faut qu'ils les fassent savoir. Et dernier point, concernant les entreprises, là je suis assez convaincu qu'on a fait des tout petits pas avec la loi PAC et assimilée, et avec tous les travaux qui sont autour des changements de gouvernance des entreprises. Donc je pense que c'est des pistes importantes. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut couper la tête à tous les capitalistes et puis ça ira mieux demain. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des centaines de millions d'entreprises dans le monde, voire des milliards. Et donc, il y a quelque chose d'assez sain dans le fait que les entreprises puissent avoir un certain degré d'autonomie, qu'elles ne puissent pas être commandées par le pouvoir politique tous les matins et qu'elles aient des espaces de liberté de gestion. Donc, je ne suis pas du tout favorable à sortir de cette possibilité d'entreprendre. Je pense qu'on aura besoin, de la même manière, sur le débat sur les technologies, on aura besoin de technologies nouvelles. Les gens qui sont anti-technologie sont parfois quand même pour le solaire. Bon, bah ouais, c'est que le solaire, c'est d'énormes investissements dans la technologie. Et donc, pour les entreprises, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en train de se faire. Donc, il y a une chaire au Bernardin qui travaille là-dessus avec Olivier Favreau, Bush Secrétin, sur les idées de gouvernance. Et c'est là-dedans que je pense qu'on pourra intégrer les questions de comptabilité, de critères extra-financiers. Dans la mesure où on le ferait de manière un peu cohérente, je vais prendre juste un exemple, m'arrête là, Marion, ce qui est arrivé à Danone. Enfin, c'est spectaculaire. C'est-à-dire, c'est une entreprise à mission, c'est une entreprise bicorp, c'est une entreprise qui fait tout ce qu'elle peut. Sauf que pas de bol, son capital n'est pas bien contrôlé, donc elle est opéable. Et donc, son PDG se fait virer si son cours de bourse baisse un peu. Et donc, pour ne pas se faire virer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plaisir à la bourse et donc il redresse son cours de bourse en faisant des opérations qu'on appelle des licenciements boursiers. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas de bonne volonté, il ne suffit pas d'être entreprise à mission, il ne suffit pas d'avoir une gouvernance et de s'occuper de RSE dans tous les machins. Il faut aussi que le haut du système, c'est-à-dire le capitalisme en haut, ne crée pas des contraintes qui font qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a plein de travaux et de réflexions à mener sur les noyaux durs, sur le contrôle du capital, sur les rendements boursiers. Et là, on va retrouver des enjeux de régulation financière que Laurence va forcément apprécier. Merci. Laurence, Olivier voulait réagir sur la question de la vision un peu. La question de la vision, ce qui est clair, c'est que je pense, mais je pense qu'on a une esquisse de cela. Hein. Je pense qu'il faut une rupture très forte de réorientation, notamment quant au rôle de l'État. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière nécessairement, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'État s'est considérablement désarmé durant les 40 dernières années pour des raisons qui étaient largement idéologiques. Mais par contre, ce qui est un peu rassurant, c'est qu'on l'a bien vu avec la crise de la Covid, hein, la capacité de revêtir les habits de l'État, protecteur, assureur, etc., très très rapidement,
ont été mobilisés. Donc, je pense qu'il faut une réorientation, il faut qu'on renoue avec un État qui donne un cap, un État stratège. Personnellement, je pense qu'il faut renouer avec une forme de planification. Hein. Je ne parle pas de planification centralement planifiée, enfin des économies centralement planifiées, bien sûr, mais d'une planification au sens où un État qui donne un cap pour les acteurs privés, notamment, hein, sur là où on va, avec un sentier pour y aller, et donc vraiment des travaux très prospectifs et des engagements qui soient des engagements pluriannuels sur le cap que l'on suit. Sans minimiser toute la difficulté, évidemment, qu'il y a à ce genre d'opération dans une démocratie. Parce que, soyons clairs, hein, nos gouvernants, leur échéancier est gouverné par le calendrier électoral. Et évidemment, ces politiques ont des coûts. Ces politiques ont des coûts qui pèsent sur les générations présentes pour préserver un bien commun pour les générations futures. Et c'est très, très compliqué, en fait, très compliqué à gérer. Pour autant, je pense que ça passera nécessairement par une refonte de la conception qu'on a de l'État et de ses rapports au marché. Olivier, tu veux rebondir aussi ? L'emploi ? Oui, je suis un peu comme Alain et comme Laurent, je n'ai pas de vision sur ce que sera la société de demain. J'espère que mes enfants et mes petits-enfants l'auront bien construit, dans tous les cas. Mais je crois aussi, et dans la liste qu'Alain a fait, je pense qu'il en a oublié une, c'est les politiques sectorielles. Et je crois beaucoup, bien entendu, les politiques macroéconomiques doivent évoluer, et Laurence a raison, mais je crois aussi les citoyens et les doivent à nouveau s'emparer véritablement de la conception des politiques sectorielles. Dans le domaine des transports, il est clair qu'il faudra que les citoyens s'emparent des politiques pour investir aux bons endroits, dans le ferroviaire, dans la mobilité urbaine, etc. Donc il y a vraiment un effort de réappropriation des politiques publiques qui doit se faire dans ce sens-là. Et ça, ça va être extrêmement important. Je crois qu'actuellement, de ce que je vois, alors que la contrainte financière a pratiquement été élevée, de ce que je vois, c'est qu'en réalité, les plans de relance en Europe ne sont pas à la hauteur de la transition écologique. Et il y a une partie d'absence de volonté politique, mais il y a aussi une partie d'incapacité des administrations publiques, de l'État, et même avec une participation des citoyens, de redéfinir de telles politiques. Et ça, je crois que c'est essentiel de ce qu'on doit avoir. J'ai vu une question sur le commerce international. Je vais renvoyer là juste à une excellente publication de la FNH que j'ai vue passer récemment. Il y a deux questions que j'ai vues. Donc, il y avait une question sur le libre-échange. Hein. Est-ce que le libre-échange est-il compatible avec la transition écologique ? Il y a eu aussi deux questions, une sur la Chine, le rôle de la Chine, est-ce que la Chine va plutôt dans le bon sens ou pas, enfin en tout cas fait des efforts, une question sur les élections américaines, est-ce que l'élection de Joe Biden est porteuse d'espoir sur le sujet ou pas, et donc là on a eu aussi quelques questions qui rebondissaient sur notre sujet, c'est-à-dire il y a un nouveau commissariat au plan, une sorte de renaissance, n'est-ce pas, est-ce que c'est positif, dans quel sens ça va? Et des questions sur la démocratie participative aussi. Quand l'État n'arrive pas à tracer la voie, est-ce qu'on confie ça à des conventions citoyennes et autres ouais. Ça fait beaucoup de questions. Il est 43, donc on va... Marion, tu n'as pas, pas annoncé encore qu'on risquait de déborder un petit peu, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Sur le commerce international, juste une précision par rapport à ce que vient de dire Olivier Bodin, c'est-à-dire que le livre en question, il y a un petit livre qui a été co-signé de Samuel Léré et Mathilde Dupré avec les éditions Institut Veblen, je recommande. Et effectivement, il est intéressant parce qu'il a un angle très particulier qui est comment mettre les renégociations ou les négociations des accords bilatéraux au service du climat. Et c'est bien d'angler ce sujet-là parce que le grand débat libre-échange protectionniste, bon, il a fait couler des centaines
de pages. Évidemment que le libre-échange pur, c'est-à-dire celui qui consiste en fait à faire fonctionner le marché sans aucune forme de procès, ne peut pas marcher, mais pour les raisons qu'on vient de dire en long, en large et en travers sur le fait que la nature ne compte pas dans nos échanges. Donc il n'y a pas trop de débat. En fait, la vraie question n'est pas là. C'est comment on construit un multilatéralisme et des échanges dont on a quand même besoin, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a encore un peu besoin d'ordinateurs et un peu besoin d'énergie qu'on apporte tant qu'on n'est pas autonome. Comment on construit ça de manière compatible avec les limites planétaires pour la faire très simple. Il y avait quoi comme autre question, Marion? Je voulais répondre un tout petit peu. Le commissariat au plan, peut-être? Pardon? Le commissariat au plan? Ah oui, sur le commissariat au plan, on attend Bayrou, quoi. Je pense que pour la faire simple, je ne vois rien du tout, aucun signal positif dans cette affaire. Donc j'attends. Peut-être qu'il va tomber, il va faire comme Saint-Paul hein, sur le chemin de Damas, mais à ce stade, je ne l'ai pas vu. Ça m'a l'air d'être une affaire très politique, très politicienne. Non, je voudrais dire deux mots sur. Mais cela étant, non, alors, je déconne. À ce stade, c'est très mal enclenché. L'idée générale qui consiste à dire, mais Laurence l'a déjà dit, la planification, ce n'est pas un gros mot, il faut juste la réinventer dans un nouveau contexte où l'individu, les collectivités territoriales, l'échelon local a beaucoup d'importance. Et donc, il faut un commissariat au plan avec un principe de subsidiarité. C'est effectivement un truc à inventer, ça, on ne connaît pas. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, c'est vrai que nous, on ne va pas dire de mal de nos fonctionnaires parce que ce serait malvenu, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Donc, le job, là, en ce moment, n'est pas facile dans la fonction publique. Peut-être aussi parce que New Public Management a rendu une partie du personnel dingue. Ils sont là pour avec un sens très fort de l'état du service public et de la mission qu'on leur demande de remplir. Et puis après, on les fait chier sur des calculs budgétaires insensés. Enfin bon, excusez-moi d'être un peu grossier, mais c'est quand même. Je pense qu'ils sont devenus un peu fous quand même en moyenne. Quoi. Non, je voulais faire deux mots et puis après je laisse la parole à Olivier et Laurence. Deux mots sur Biden et la Chine. Moi, ce que j'ai un seul point à dire, c'est que on se faisait opposer en permanence l'argument selon lequel la France est 1% des émissions de la planète, et donc pourquoi faire quelque chose en France? Ah, puis tout va se jouer en Chine et aux États-Unis. Alors, c'est un peu vrai aussi au niveau européen, qui ne représente pas 1%, mais qui représente, je ne me rappelle plus le chiffre, 15-20%, quelque chose comme ça. Bon. Pardon? 15%. Ouais, c'est ça, 15%. Bon, pourquoi se fatiguer 15%? Ah, maintenant, cet argument est mort, hein. La Chine, même si on discute sur savoir si elle est neutre carbone en 2060, 2050, enfin bon, ils ont des engagements, ils sont en général pas très drôles, c'est vrai, ils n'ont pas beaucoup d'humour, donc j'ai tendance à considérer qu'ils vont faire leur job, d'autant que contrairement à ce que fait la France, mais parallèlement à ce que fait l'Allemagne, en règle générale, ces cultures-là, on a la cohérence entre l'industrie, on n'en a pas beaucoup parlé, là, je me rends compte de ça, hein, la cohérence entre la politique industrielle et les politiques publiques. Donc je pense qu'ils ont des raisonnements de domination évidents et que s'ils se disent on peut mettre ces questions d'écologie au service de la domination de notre économie, de notre système, on est assez content parce que ça nous permettra de contrôler grâce à notre puissance économique et militaire, les ressources planétaires. Et or, on en aura besoin parce que évidemment que ça va manquer quelque part. Et donc, on préférera nous se servir. Et ce genre de raisonnement me paraît très crédible. Et donc, je crois que la Chine, les États-Unis continuent à se battre fort, fort, fort. Mais du coup, ça tue complètement les arguments de dire qu'on n'aurait pas intérêt à se mettre sur ce terrain-là. Vas-y. Vous pouvez prendre la parole, hein. Oui, il y a une question sur la démocratie participative, le fait que les citoyens s'expriment plus, les organisations de citoyens, etc. Donc, je reviens toujours à mon histoire d'État. Effectivement, la conception de l'État qui s'est imposée et qui existe encore, c'est un État qui favorise beaucoup la porosité entre la haute fonction publique et les industries, les secteurs financiers, etc. Et dans la construction des réglementations, beaucoup de co-construction avec des comités consultatifs qui sont complètement noyautés
en fait, par les groupes d'intérêt, c'est-à-dire par les lobbies, etc. Je pense qu'une manière de faire, notamment, c'est d'ouvrir les espaces de délibération dans tous les sujets. C'est-à-dire que quand, même sur des sujets techniques, quand on parle de régulation financière ou qu'on parle de pesticides, etc., il n'y a pas que l'industrie qui est concernée. Dans les pesticides, il y a la santé de tout un chacun. Dans l'industrie financière, il y a le fait qu'on est contribuable et que s'il y a une crise financière, on met au portefeuille. Donc, ça veut dire qu'il faut ouvrir les espaces de délibération. Et dès lors que vous mettez, par exemple, un malade dans un comité qui traite de questions de santé, eh bien, le regard est totalement différent des associations de malades sur la question qui est traitée. C'est exactement la même chose si on met des représentations d'ONG, je sais pas, comme Finance Watch, Better Finance, etc., sur des questions de réglementation financière, et la même chose sur des questions de pesticides si on met des citoyens qui sont, ou des ONG qui s'occupent de ça. Le problème là, si vous voulez, c'est que les groupes d'intérêt peuvent mettre énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que s'ils gagnent la bataille, c'est l'industrie qui en a le bénéfice. Or, les ONG, elles sont sous-financées. Elles sont sous-financées parce que si les ONG gagnent des batailles, vous et moi, on en bénéficie, mais est-ce que ça nous incite à mettre au pot et à les financer ? Pas nécessairement, puisque de toute manière, on en bénéficie, qu'on les paye ou pas. C'est le problème des biens collectifs. Donc, c'est pour ça que moi, je militerais beaucoup, en fait, pour qu'il y ait des soutiens publics, financiers publics. Alors après, il faut avoir des garanties absolues d'indépendance, mais des amorçages. Typiquement, Finance Watch ne serait jamais né s'il n'y avait pas eu un amorçage par la Commission européenne, et à l'initiative d'ailleurs de députés européens. Donc je pense que cette idée de l'ouverture des espaces de délibération, y compris sur des sujets techniques, mais qu'on rend complexe volontairement, hein, parce que le jargonnage, c'est le meilleur instrument de capture, hein. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et l'exercice qui a été fait avec la Convention citoyenne, je pense que c'est un exercice fondamental. Malheureusement, qui n'est pas relayé politiquement. Bon, si je peux dire un mot juste pour Green Intervention, je peux confirmer que nous sommes tous sous-financés. Donc, sur la Chine, je vais rajouter un argument. Je suis assez confiant, non seulement parce que ce sont des gens qui rigolent pas, mais je pense qu'ils ont un intérêt propre et c'est peut-être le seul bloc qui peut internaliser complètement les effets du réchauffement climatique sur sa propre économie et sur son propre État à une échéance relativement rapide. Non seulement sur leur économie, sur leur population, mais aussi sur l'environnement immédiat, puisque c'est quand même l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud qui va être le plus touchée par le dérèglement climatique. Et donc, je pense que cet intérêt propre, cette internalisation de l'intérêt propre, fait que je suis assez confiant sur le fait que la Chine va faire le job. Je suis moins confiant, bien qu'on nous raconte toujours que les Américains partagent nos valeurs, on a vu pendant 4 ans que ce n'était pas vraiment le cas, sur les États-Unis qui me paraissent, de ce point de vue-là, beaucoup plus instables et soumis potentiellement à une plus grande instabilité. Mais sur la Chine, je suis assez confiant qu'ils vont faire le job. Bon, et sur ces derniers mots, je vous propose qu'on mette fin au webinaire. On a dépassé un petit peu, mais pas tant au final. Je vous remercie tous les trois pour tout ce que vous nous avez dit. J'espère qu'on a pu traiter la plupart des questions, je crois, après les avoir regardées. Et puis, je vous souhaite à tous, vous qui êtes loin, une bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. On fait quoi là? On est en...